Hello tout le monde, c'est Chrysler, j'espère que vous allez bien, super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Rust, on est donc dans la base. Vous avez vu un gros changement par rapport à la base que je vous avais montré il y a on va dire quelques jours. Tout d'abord plusieurs niveaux, ensuite c'est tout passé en pierre, on a commencé à avoir toutes nos fenêtres, tous nos trucs blindés, enfin voilà, toutes nos conneries. C'est bien renforcé, on va faire un petit tour dedans. Comme vous avez pu voir de l'autre côté, au niveau de la grotte, on a fait une tour, pareil, un tour de guet assez efficace. Si vous voyez, vous regardez au loin, je vais essayer de vous montrer, regardez en plein milieu de l'écran, il y a une porte en fer, enfin pierre fer. Choco, ça n'a pas beaucoup changé. La grotte, enfin c'est pour ce qu'on est des fours, on a modifié, enfin on a fermé enfin le deuxième four. Enfin voilà, donc là pour cet épisode, je vais vous montrer tout simplement juste voilà la gueule de ma baraque. Donc là vous avez vu, j'ai une petite tourelle bien sympa que j'ai mis sur élevé qui tire dans ce côté jusqu'à chez Choco, assez efficace, c'est vraiment assez efficace. Il me semble que j'ai mis des balles dedans. Voilà, donc la munition 5.56, voilà, je la réactive. Là j'ai mis une petite planche, regardez, hop là je peux pas passer, je faisais m'accroupir, donc c'est toujours ça en plus, juste pour faire chier si jamais j'ai un agresseur qui me poursuit. Là donc la petite salle de sécurité comme je vous avais parlé, là j'ai enfin fini, il n'y a rien de plus, c'est bloqué. Derrière on a un vide, mais on a un autre mur, donc vous allez voir, vous allez vite vous en rendre compte. Là j'ouvre ma petite porte, donc là pour le moment c'est comme ça, ça va être changé, donc des petits coffres qui servent à rien avec un petit stack. Je vais tout modifier parce que demain soir on sera mercredi. Enfin dans le jeu bien sûr, enfin dans le jeu, dans le moment où je filme. Et du coup en fait on va se faire, donc normalement c'est prévu que tout ça en fait nous tombe sur la gueule. Donc là je vais vous faire une petite vidéo de raid si tout va bien. Donc là vous avez une deuxième tourelle pour protéger donc ma boîte à outils, donc bien cachée. Elle prend de la porte d'ailleurs bien foutue parce que hop, quand on ouvre le mec s'y attend vraiment pas, hop, bam, se fait canarder par la tourelle. Et l'autre côté bah pareil en fait ça bloque pour qu'il puisse se faire tirer dessus des deux côtés. Là un petit four qui sert à rien, ma petite boîte à outils qui va être changée, enfin mon armoire. Là, vous avez, donc là derrière pareil, il y a le vide, donc en fait ils sont obligés de passer d'un des deux côtés. Donc pareil, vous avez eu pas mal de portes en tôle avec digicode, ça va être remplacé, la porte du sas va être remplacée par une porte blindée, pareil pour celle-ci, d'ici peu. Juste avant demain, sinon c'est pas bon. Hop, donc là, hop, je circule dans les couloirs. Là on a une petite salle avec pas grand chose, hein, rien du tout même. Une petite vue, voilà, une vue de loin sur ce qui pourrait traverser le fleuve. Je peux plus fermer mes portes, enfin mes volets. Ah si. J'ai réussi. C'est quoi le bordel? D'accord. Bon. Ah voilà, faut être vraiment dessus. Hop. Ok, donc là, et là, donc une petite vue sur la tour de guet, un peu là, enfin un peu l'avant de la cour. Donc là, hop, j'ouvre. L'autre côté c'est le même fonctionnement, hein. Il n'y a rien qui change. Hop, on referme là, donc là ça met, je vais te montrer, petite vue sur la baraque de Jeff et sous celle de Choco. Donc là c'est barreau renforcé, il me semble que c'est 500 de fer, un truc comme ça. Hop. Là, l'autre côté de la cour, côté gauche, voilà, hop là. Bon, c'est clairement mon avis là-dessus, c'est bien, c'est renforcé. On a que la tête qui est exposée, par contre le gros souci c'est que bah justement on perd de la visibilité et on peut faire avec ça des tirs de loin seulement et pas des tirs de près, enfin on peut pas voir ce qu'il y a en bas, on a un champ de vision, on rétrécit on va dire. Là, hop, petite première trappe, hop, hop. Donc avec trois trucs, d'ailleurs j'ai pas réussi à fermer là, donc là vous avez vu ce que je vous parlais, en fait on voit mal. Là j'ai mis des barreaux normaux, gagner un peu de visibilité, vous avez vu c'est déjà mieux. Voilà, hop. Je referme ça, maintenant que je sais comment faire, est-ce que je peux... Ah je veux pas, d'accord, tu veux pas, tu veux pas le fermer. Il veut pas le fermer le coquin. Bon c'est pas si grave. Là on a une vue, pareil sur l'autre côté, donc au niveau du cours d'eau. Hop, oula je suis tombé. Hop là, hop là, hop là. Donc là on avance, là ça va être fermé aussi, il y aura quelques petites boîtes avec des munitions. Donc pareil des fenêtres pour tirer un peu sur tout ce qu'il y a, tous les assaillants de tous les côtés. Je peux pas tout vous les montrer hein, parce que bon, vous savez à peu près dans quel angle ça se passe, voilà, devant. Hop là. J'ai cru avoir entendu un bruit. Ensuite, là, pareil, petite vue sur voilà, l'arrière. Bon, cet endroit je pense pas y aller quand je me ferai raider. Clairement, ça a l'air d'être hyper dangereux pour ça. Enfin, ça a l'air d'être un aimant à balles le machin. Mais bon, toujours ça en plus, toujours bien sympathique d'avoir ça.
La dernière épisode, normalement ici ça montait, et donc il n'y avait pas de porte il me semble, donc là maintenant il y a une porte. Vous avez vu donc tout plein de sacs, c'est ça en fait de toute la bande. D'ailleurs Pookie qui est juste là, Charlie Pookie, Charlie qui a une chaîne YouTube, vous pourrez juste, enfin vous avez juste tapé Pookie Charlie, vous trouvez sa chaîne, c'est un franco-américain qui fait des très bons let's play. Là bon vous avez vu mes petits équipements et ça surprise lance-flamme, je vous ferai une vidéo dessus pour montrer un petit peu ce que ça donne, vous inquiétez pas. Hop là, donc là on passe à l'étage supérieur, donc je fais une espèce de nid, enfin, ça sert à rien de faire un tout au pif comme ça, mais finalement c'est dégueulasse. Là on peut faire le tour comme on veut. Et j'ai pas mis de barreau cette fois-ci, je me dis pas la peine. J'ai juste mis, on va dire ouais voilà, j'ai juste mis des volets histoire d'être protégé. Là, 4 digicodes, hop qui ramène au milieu. Au milieu une autre trappe. Là ça ramène dehors sur la terrasse, donc cette terrasse ça devient un peu mieux que celle en dessous, un peu plus protégée. Hormis le côté où on est assez exposé, c'est comme cette montagne qu'il faudrait qu'on vous voie pour faire quelque chose. Peut-être la piéger ou peut-être faire une autre tour, on verra. Là hop, on progresse. Donc là, je vais faire un truc un peu innovant. À la base non, il y avait juste cette tour. Je me suis dit non, on va la renforcer, on va la protéger pour éviter qu'il la fasse tomber. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis donc à la base des murs en bois et tout, je me suis dit on va peut-être passer en pierre, ce sera peut-être mieux. Et puis j'avais fait ça au cas où, pour m'échapper, et j'avais mis ça donc la petite porte. Mais finalement, bah vu qu'on va se faire bien raid demain et que c'est assez inutile ce que je viens de faire, et ben j'ai renforcé, j'ai mis ça en plus de chaque côté, il me restera plus qu'à mettre l'espèce de voilà, comptoir en bois pour renforcer. Là, pourquoi j'ai mis des planches en fait, vous allez voir, j'ai eu un bug, c'était à l'envers. Quand ça s'est placé, j'ai pas pu le modifier. Voilà. Même en améliorant, j'ai rien pu modifier le sens. Donc, du coup, je rajoute ça pour gagner un petit peu de protection dessus. Voilà, un peu en mode comme les soldats américains en Irak qui se promettaient des cloisons en bois, enfin en plexi et en bois pour renforcer. Voilà. Donc là, on monte en haut de la tour. Hop, 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 hop. Voilà, donc là, on arrive au-dessus. C'est encore en bois, ça va être modifié d'ici peu le toit. Voilà, hop, on a une belle petite vue sur le S du fleuve par là où les ennemis attaquent souvent. Souvent ils attaquent voilà, au niveau milieu là, de mon écran. Il y a une espèce de corniche qui se cache dedans, voilà. Une belle vue sur Baraka Choco et à Jeff. D'ailleurs, Jeff a un petit trou dedans, je sais pas si c'est exprès. Hop, voilà. Là, une vue derrière sur la Raptone. C'est pas sympa, enfin la Warhouse, pardon. L'entrepôt. Là, on a une vue sur le fleuve un peu plus agrandie. On peut voir un peu mieux, hop là. Et là, sur une vue à l'arrière. Donc cet endroit très dangereux, je vais essayer de le miner d'ici peu. Là, je me suis tapé un petit kiff, j'ai mis des petits rochers pour leur jeter à la gueule. Un peu comme au Moyen-Âge. Enfin voilà, c'est bien sympa. Donc bah voilà, on a fait le tour. Je vais essayer de mettre donc un atelier de réparation bientôt. De mettre un peu voilà, un peu d'équipement, un peu de coffre supplémentaire, des munitions. Enfin, ça va être bien fourni, ça va être bien garni. Ça devrait se faire cette nuit, normalement, parce que dans 2 jours, c'est le wipe. Et je suis en train de voir avec l'admin, comme je vous disais, pour faire un event. De manière à ce que tout ça en fait essaye de nous raider, en fait on sera peut-être 10, enfin 5-10 à défendre face à presque peut-être 30 mecs. Enfin ça, ça reste à voir, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais essayer de vous montrer. Hop. Ouais, je pense qu'on va couper pour cette vidéo et je vous montrerai le reste de la base plus tard. Voilà. En attendant, je vous invite à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je vous dis donc à la prochaine. Allez, salut tout le monde.